ensemble, une fois encore, nous nous retrouvons dans un des ateliers du Montparnasse. Ici, derrière moi, depuis des années, vit et travaille Alberto Giacometti. Dire de Giacometti qu'il est peintre, sculpteur et dessinateur, ce n'est rien avoir dit. Parce que l'importance de Giacometti, elle est bien sûr dans la qualité exceptionnelle de son art, mais elle est peut-être encore plus encore dans la qualité exceptionnelle de l'homme Giacometti. Je travaille tout le temps. C'est pas par volonté. C'est que j'arrive pas à décrocher. Alors je commence à... Il y a mon frère qui me pose à midi jusqu'à 1h30. Je travaillote à ces choses-là. Puis je vais 1 heure à côté manger quelque chose. Et puis il y a ma femme qui me pose de 4h à 3h30 jusqu'à la nuit. Puis je recommence les mêmes choses. Plus ou moins, je vais boire un café et puis à 9h, je recommence jusqu'à minuit. En apprenant la mort d'Alberto Giacometti, ce n'est pas à son œuvre, mais à lui-même que j'ai pensé. Et avec une tristesse d'autant plus grande que j'avais immédiatement le sentiment que lui parti, il y avait dans son œuvre, dans notre vie, dans le quartier de Montparnasse, dans Paris, il y avait comme un grand trou. Il y a des hommes qui sont tels que, eux disparus, les autres hommes se sentent frileux, perdus. C'est un peu tout à coup comme si on ne savait plus très bien comment se diriger. C'est un peu tout à coup comme si on avait perdu une présence fraternelle qui nous aidait bien au-delà du monde des arts, qui nous aidait, je crois, à mieux vivre, à mieux penser aussi, à penser plus juste. Alors, je ne sors plus jamais. Alors, je sors dîner, je suis à moitié crevé. On n'a pas d'appétit. Je traîne un peu, je bois de whisky et je rentre. Je suis obligé de me coucher, enfin, 3h du matin pour être à peu près debout le jour après. Alors ça fait une vie de forçat. Il suffit d'être venu quelquefois à Montparnasse, souper tard, très tard même, pour avoir aperçu Giacometti. Pour le voir qui s'avance seul, la plupart du temps sur le boulevard, un peu titubant de fatigue car il a travaillé pendant des heures. Tout de suite remarquable et inoubliable avec sa chevelure en broussailles, sa chevelure poivrée blanche, avec son visage fort, osseux, comme une sculpture. Il y a chez Giacometti, dans son acharnement à scruter ce qui se cache derrière et dans le visage humain, quelque chose justement qui ressemble à un voyage toujours recommencé. Et puis aussi, il y avait pour nous, chez Giacometti, la façon avec laquelle il se sert du langage. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 1945, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Comme si... C'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais qu'elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. Bon. Au fond, je ne travaille que pour moi, pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. Il y a chez Giacometti un amour pour le langage, pour la parole, pour la phrase, une volonté d'être clair et en même temps de ne rien trahir. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique en partie les amitiés de Giacometti pour les grands écrivains, pour un Jacques Prévert, pour un Jean-Paul Sartre, pour un Jean Genet. Si on se tourne maintenant vers les jeunes artistes qui vivent en ce moment à Montparnasse, on retrouve aussi pour Giacometti ce respect
cette sorte d'admiration qui vient sans doute que tous nous sentons bien qu'il y a chez lui une recherche authentique et une recherche acharnée que rien n'arrête. J'aime bien la tête de Giacometti. Mais quand vous venez, par exemple, à Montparnasse le soir et que vous voyez passer Giacometti, quelle impression ça vous fait ? Une immense chaleur. Et je dois dire, d'abord, c'est un personnage qui est très émouvant et puis physiquement, qui est... c'est un monument. C'est un monument et qui laissera, qui laisse beaucoup de choses à son passage. Et le voir vous fait du bien ? Ah, moi, le voir, ça m'apporte quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute, physiquement, moralement, je trouve que c'est un personnage qui est beau dans tous les sens du mot. Et j'imagine, Shirley, que ce visage de Giacometti vous aide un peu à vivre. C'est exact. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a les choses inexplicables, n'est-ce pas ? Cette silhouette, c'est par exemple un Giacometti qui passe, avec lequel vous avez ce commerce d'œil qui fait que tout d'un coup, vous sentez qu'il vous accorde et qu'il vous autorise un moment, un petit moment, un moment qui fait que vous vous retrouvez sur un même terrain, dans un même langage, dans une même inquiétude surtout. Vous voulez dire que voir Giacometti simplement passer à Montparnasse... Non, bavarder. Oui, enfin passer, mais enfin c'est quand même passer ça. Oui. Car oui. Finalement, il ne vous accorde pas grand-chose, même en bavardant un peu si, avec vous. Si, si, énormément. Il y a des gens qui n'accordent rien. Il y a des grands qui n'accordent rien, mais il y a des grands qui accordent énormément, sans en avoir l'air. Lui, je le dis comme ça, je ne le connais pas plus que ça. Mais je sais qu'il accorde, car j'ai eu un don de Giacometti un jour. Un don parlé. Un don senti, qui est encore mieux que parler. Oui, mais je crois que ça vient beaucoup, cela, de ce que j'apporte. De ce que Giacometti est peut-être, d'une certaine manière... Un personnage... La dernière silhouette, si vous voulez. La dernière silhouette qui passe dans Montparnasse et qui la traverse d'un bout à l'autre.